Bon, j'espère que vous avez trouvé. Parce que, voilà, je commence à avoir ras le cul. Je vais bloquer dans ce jeu de merde. J'ai plus de lef. Alors j'ai ça. Ça va? Yama, si tu as tes voisins du dessus qui chantent, ils sont soit c'est SingStar, soit ouais, un jeu de merde comme ça, quoi. Ah, y a pas à dire, putain, celle-là est bonne. Bon, ok, c'est un truc industriel, mais on s'en fout, elle est bonne. Bon, y a un truc là. En plus, on a la musique de l'angoisse. Couper du bois. La clé. Phoenix, tu as la clé de toute façon. La clé, ça sert à rien. De toute façon, il nous donne combien? Il nous donne 30, le gars. Il faut 20 absolument pour passer. Il reste 10 et des objets à 10. On a acheté une corde, je suis pas sûr qu'il faille une corde. Moi, la corde, je pense pas qu'elle soit utile. Mais ça a l'air assez... Ça a l'air assez quand même coton, hein. Ça a l'air assez vicieux, je trouve, comme jeu. Parce que pour faire un infernal erreur, les mecs, ils ont pas pensé à tout, hein. Donc je pense que on peut être bloqué. Voilà, pardon. Ah, boire bière, j'avais pas bu ma bière. Donc je vais pas boire bière. T'avais dit que inventaire, ça merdait, c'est ça? Je vais essayer, de toute façon j'ai fait des sex tapes. Ah oui, vous avez 3 écus, 5 points de corps. De base. Mais je crois que là, c'est ça, ça plante. Ah bah non. Bah non, ça plante pas. Pas tout le temps, d'accord. Retour. Bah non, mais j'aimerais bien jouer. Ah bah non, bah en fait je joue. Oui, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça, ouais, ça plante pas tout le temps, d'accord. J'ai toujours 3 écus. Donc en fait, maintenant que je sais, il faut lui parler à lui. Je sais pas, les points de corps, il y en a 5. J'ai l'impression que c'était des points de vie. Ils ont traduit ça en points de corps. Alors, est-ce que... Par contre, je crois que t'avais pas besoin de payer une bière. Chercher travail. Il va dire qu'il cherche pas. Faites comme chez vous. Qu'est-ce qu'il faut... Faut qu'il... Demander travail, non? T'as le mec, il hérite d'un royaume quand même, il est obligé de demander du travail à des grouillots, quoi. C'est quoi ce bordel? Ok, mec. D'accord. Donc on se tire là. Et puis l'épée, c'est 1d4-3. Pour Donjons et Dragons. Alors. Je vais essayer de pas claquer mon pognon. Je vais pas. On va pas acheter de bière, ça sert à rien parce qu'on peut prendre la lettre sans acheter de bière. Montrer lettre. Donner lettre, donner lettre. Ah, gratter burne, putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Donner lettre. Je me fais chier à écrire proprement, mais je suis sûr qu'il comprendrait avec un T, un N. Décharger bateau. Donc là, maintenant, on a 30 queues. Hop, c'est bon. Ok. Dans votre bourse. Ma bourse. Donc je pense qu'avant, on va essayer de... On va pas acheter la corde. Parce que de toute façon, une fois qu'on passe la rivière, on n'a plus de sous. On n'a que 30. On n'a que 30, même pas. On a 33. Et il faut donner 20 pour y accéder.
Donc lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Pardon. Le seul truc qu'on peut acheter, c'est la clé. On est d'accord. Ouais, c'est vrai qu'un homme décharge péniblement. C'est tout plein de d'allusions bizarres. C'est vrai que la grosse corde, le guet, le puits. Il décharge péniblement. C'est un peu le jeu du fucking Blue Boy quand même. Hein. Et à la vôtre. Moi, ce qui me déglingue, c'est qu'après, on n'a plus de bourse. Et il a encore des choses à proposer. Enfin, l'épée, tu sais, les trucs qui coûtent cher. Je vais prendre la clé. Mon gant. On va prendre un long gant. Clé. D'accord. Bon, ouais. Je vais prendre la clé. Non, la soluce elle tient en deux lignes et demie. 1200 Vmax, c'est vrai ça? Payer taxe. Pareil, je suis dans mon royaume, je suis obligé de payer une taxe. Ah, l'embellissement de la ville, c'est les impôts, c'est ça? Ce sont les impôts locaux que nous donnons aux gardes. Le truc à peine corrompu. Femme, prépare-nous l'onguent dont tu as la spécialité. Et je suis pas herboriste. Ah, j'avais omis ce détail. Femme, tu nous as roboré. Alors, le lutin, voler lutin. Je lui parle même pas, je m'en fous. Je te vole. Allez hop. Une petite lampe. Il grimpe sur votre épaule. Je suis sûr qu'il n'y a même pas besoin de la corde. Quoique j'avais assez de pognon pour acheter la corde, non? 10, 3. Non, 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 j'avais pas assez. De toute façon, la corde, ça sert à rien, on a le vertige. Je vois pas à quoi ça sert. Alors, traverser rivière. On a la clé de toute façon. Ah, est-ce que j'utilise la clé sur la porte? Mais non, parce que... Non. Je sais pas si Phoenix a essayé la clé sur la porte. Non. Je vois pas ce que je foutrais avec ma clé. Elle a des vertus magiques. Non. Je vais essayer... traverser rivière ouest. Je suis dubitatif. Utilisez clé. Est-ce que si je... Attendez. Il est toujours là le lutin? Normalement oui. Save. Maléfice. 2. Clé. Clé. J'aurais dû marquer clé, pas de bière. C'est la musique qui fout les boules. J'avance! Pas! Allez, on load. C'est, la clé me protège pas. C'est de l'arnaque. Le mec, il m'a vendu une merde. Allez, fils de clé. Allez. On s'en fout. On se barre. Ah, je suis fallacieux dubitatif.
C'est fastidieux, hein, c'est fastidieux. Hein. Traverser rivière, allez, c'est parti. On s'en fout, on est des gueudins. On traverse la rivière, normalement j'ai pas besoin de cordes. J'ai pas besoin de cordes, moi, je suis un gueudin. Voilà, donc en fait, y a pas besoin de cordes. Rien à foutre de la corde. Par contre, j'ai plus de sous. Salut, Tetsuo. Merci d'être passé. Ah bah, il est parti. Donc, utilisez clé. Je sais pas, ça a des vertus magiques. Pour faire quoi? Inventaire. J'ai toujours la lettre. J'ai pas la clé. J'ai plus d'écu. Mais forcément, il va tout piquer. Ah, il va piquer la clé, le salaud! Attends, qu'est-ce que ce bordel? Il me pique la clé? Il me pique la bourse, mais pas la clé, oh! Clé. Inventaire. Bah oui, mais il faut peut-être... Ah mais, elle apparaît pas, la clé. Musique de l'angoisse. Apparemment, il y a un ordre bien précis dans les actions de ce jeu. Ouais, je pense que c'est ça qui merde. Pourtant, ça avait l'air un peu random vers le truc, là. Ah, mais arrivé au village, t'as l'impression que quand t'as pas vu quelque chose, ça va pas. Il y a un truc à faire, à mon avis, avec le dragon, peut-être. Mais le dragon, il faudrait une épée, ou quelque chose dans le style. Je peux pas y aller comme ça avec mes petits bras. Putain, c'est chaud. J'ai toujours la lettre, alors j'en ai rien à foutre de cette putain de lettre. La lettre, c'est la lettre de recommandation. C'est la lettre de recommandation pour l'autre con, là, alors que j'en ai plus rien à foutre, quoi, de cette lettre. Putain. Je me sens observé, mais je m'en fous, je veux avancer. Et j'ai plus de sous. 20, 10, oui, j'ai plus de sous. Putain, c'est chaud, quoi. Ah non, je suis pas face à un lutin, il est sur mon épaule. Erreur infernale ? J'ai deux lutins. Pas de sud, pas de nord. À l'ouest, rien de nouveau. Je m'excuse, toutes mes confuses. Ah, je vous laisse le curseur dégueulasse sur l'écran. Ça va être facile à mettre en VOD, ça. Grosse vidéo, et vous allez vous faire chier à regarder 2 heures de vidéo. Ah, faut que je pense, tiens, dans la outro, à vous remercier tous. Ouais, mais le sac doit servir, on recommence alors. Mais alors, le sac, à quoi il sert, le sac? Ramasser des pommes? On retourne au bar. Ça sert de faire des save states avec des noms GX? Je vais pas dire le nombre de... On est 12. Oh, écrire la demande pour le dentiste. Ah merde, par contre j'ai pas de sous. Bon, on va le refaire. Bah, c'est un jeu qui est dur. C'est un jeu qui est très dur. Qui est très dur, qui est chiant, certes, quand on n'a pas la solution. Putain, c'est chiant. On a la solution, mais on va peut-être pas regarder, quoi. Oh, je vais recommencer, je vais lui reparler, lui. Demander. Travail. Non mais ne vous inquiétez pas.
C'est horrible, mais on... Non, non, on va y arriver. Je vais faire une safe state. Une sex tape pour Yara. Balapatabala. Ça représente quoi le truc sur la rose des vents? Justement, je me demande depuis tout à l'heure, ça représente quoi? Je sais pas. Ah oui, alors attends, Phoenix m'a dit qu'il y avait un truc à prendre sur le bateau. Phoenix, il faut que tu me dises, il y a une corde à prendre, mais moi je la vois pas la corde. Sur le mât du bateau? Ah! L'écran d'avant. Décharger bateau. Oh, on se fait chier. On est 11. Voilà, merci. Là, je crois. Examiner bateau. Ah bah merde, alors il n'y a pas... Regardez. Il y a un truc, monter ma rentrée maison. Rentrée maison. Monter ma déconne. Oh la vache! Mais comment veux-tu savoir ce genre de choses? Mais c'est pas possible! Comment? Le mec qui est devant le bateau, montez ma! Mais c'est comme si t'arrivais devant la maison et que tu disais, je sais pas, fabriquer Muret, le roi Merlin, mais c'est complètement débile! Comment tu veux deviner ça? Putain, mais les mecs, mais tordus quoi! Déjà, c'est des gays! Putain, mais en plus, c'est des sadiques, quoi! C'est quoi ces trucs de merde? Ici, vous pourrez vous reposer en regardant l'immensité de l'océan. Et puis, putain, puis se faire enfiler par le mât, quoi! Il a regardé que le premier truc. Il a pas tout regardé. Mais ça sert à rien de monter le mât, mais putain, regarde, ça fait... Ils se sont fait chier, les mecs, à coder. Ils se sont dit, on va taper monter ma, on va se faire chier à faire une belle image. Putain, les mecs, ils se font chier, quoi. Putain, des gays sadiques de merde, quoi. Hein. La fistinière, quoi. La fistinière, détends-toi bien le fion. Je vais t'y enfiler, voilà. Le mât. Alors, il y a une corde. Ah, mais je la vois, la corde. Prendre corde. Putain, les mecs! Suis sûr qu'en fait, tout le jeu, t'es pas obligé d'aller voir l'armurier qui d'ailleurs bug quand tu lui demandes des trucs trop chers. Je suis sûr que tu peux tout trouver. On n'a rien contre les gays, Yama. J'ai des amis gays aussi. On rigole, on rigole. Nous ne rions pas de vous, mais avec vous. Voilà, on rigole. Attention aux gays terrain glissant. Oui, bien sûr. Alors, les gays, les juifs, tout ça. Attention, hop, hop, ça, vous n'avez pas le droit de faire des gestes. Oh, surtout pas. Oh, geste interdit. Mot interdit, quenelle, pas le droit, voilà. Ça n'a rien d'extraordinaire. Monter bateau, je l'avais dit au début du jeu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, GX, monter bateau, ouais. Monter par un bateau, ouais. J'adore, GX, il vient, tout tranquille, ouais. Je l'avais dit, il faut monter dans le bateau, faut regarder, monter mât, faut prendre la corde. Ah si, y a Matégué, c'est, tu l'as dit, hein. C'est bon, trop tard, hein. Voilà, Fagal, trop tard. T'es gay, c'est tout? Bon, alors maintenant que j'ai une corde,
Je descends du mât parce que je n'ai aucun aucun point cardinal. Descendre. On va continuer, hein. Descendre mât. Après vous. Non mais c'est... C'est impressionnant quand même. Attends, 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 on va rectifier. Monter bateau. Alors voilà, GX. Ça n'a rien d'extraordinaire, monter bateau, je l'avais dit, gna 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 gna. Monter bateau, malheureux avec votre vertige. C'est monter mât. Je trouve que c'est encore plus vicieux. C'est comme si le mec, il te mettait le nom des nœuds. Là, tu sais, les trucs que t'achètes à des représentants à la con avec tous les nœuds de marin, qu'il fallait donner le nom du nœud de marin. Putain, mais c'est bon. C'est quoi ces jeux de merde, là? Ah, une deuxième corde. Non, je pense que ça remplace tous les objets. Ça... Tu vois, là, du coup, j'ai une corde. J'ai toujours 30 boules. Je vais d'ailleurs sauvegarder. Ta-da-da. Maléfice 3. Et on va marquer plein de Pognac. Voilà. Maléfice 3, plein de Pognac. On a une corde. On est bien. Ouais, tu sais, oui, je suis un gros gay, moi. Je suis un gays, moi. Oui, le nom des nœuds, oui. Le nom des nœuds. Ouais, les, oui, les passagers du temps. Ouais, mais peut-être les passagers du temps, on reconnaissait quand même les décors. Excuse-moi du peu, là, la falaise, on savait pas si on était en bas, en haut, au milieu. On n'est plus que 5. Non ! 11 ! On est 11 d'écart ! On est 11. 11, je le vois, je l'ai là. 11. Promis, quand j'aurai de l'argent, j'achèterai un PC. Je vous le promets. Bah, on a perdu des gays, évidemment. Alors, du coup, moi, je... Je sais pas, il me proposait un repas, lui, quand même. Est-ce que le repas... Oh, putain, non, c'est ça, ça... Le mec, on va bouffer son truc, là, et je sauvegarde. Par contre, je sauve sur le même truc. Hein. C'est où? Là. Plein de Pognac. On a de l'argent. Oui, je le remplace, oui. On va lui parler, lui. Ou manger, manger. Ah non, boire bière. Il y a un repas. Je gagne 5 points de corps. J'ai perdu cette boule. Mais je sais pas si à quoi ça... Je sais pas à quoi ça sert, hein. De toute façon, quand on traverse la rivière, on n'a plus d'argent. Et on est obligé. On avait dit qu'on achèterait le sac, c'est ça? Allez. De toute façon, c'est tout ce qu'il demande. Sud, quel sud? Mais non. Voilà. On a eu 5 points de corps. C'est que forcément, ça a un intérêt, les points de corps. Sinon, il ne serait pas fait chier à coder ça. À quoi ça sert? Lui acheter, on va lui acheter un sac. On va suivre les conseils de Fagal. Nous allons enfermer le lutin dans le sac. Alors, je lis vos conneries en même temps. On est d'accord que l'ongan, je vois pas du tout à quoi ça peut servir. La clé, pareil. Le reste, c'est la torche. Il en a pas. La corde, on en a une. Et tout le reste, on peut pas l'acheter. C'est beaucoup trop cher. Il nous faut 20 boules pour passer. D'ailleurs, je me demande si j'achète le sac plus la bouffe. Je crois que j'ai plus assez de sous. C'est un sac en toile tout à fait ordinaire. Il est un peu gai aussi, lui, je trouve. Inventaire. Une lettre, une corde, un sac. Là, c'est quand même clairement marqué, hein. La clé, je crois qu'elle sert à rien. Bon, 10 points de corps, on est quand même beaucoup plus balèze. Allez, on se barre. Ah putain, ça a planté.
Load. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a... On est joyeux de se retrouver, oui, bien sûr. Enfin, Yama, je te rassure, la torche dans le puits. Non, la torche, il veut pas m'en donner. On a 33 écus, 5 points de corps, machin. La torche, il veut pas m'en vendre, il dit qu'il en a pas assez. Donc non, c'est pas possible. La torche, on l'oublie. 33 écus, on va bouffer. Ça fait 7. Oui, c'est bon, normalement. On peut pas revenir à l'écran, ça c'est un peu con, on est obligé de faire ça. Alors évidemment, à 11h30, on est un peu moins. Mais n'empêche, on est monté jusqu'à 21 vendredi soir, c'est vraiment le bon créneau. Alors, mon coco, je veux manger. Manger. Pas marqué boire bière, je veux manger. Ah, j'ai pas pu y rentrer. Alors, le repas. Voilà. Impeccable. Je monte. Je pense que c'est l'écran de l'armurier qui déconne. Je pense que l'inventaire fonctionne sur les autres écrans. Acheter. ses écus. Comment t'as fait? Je vous lis, hein. Faut pas faire l'inventaire chez l'armurier, ouais. Bah oui, malheureusement, j'ai... C'est bien, on commence à noter les défauts de ce jeu. À part qu'il est très dur. Mais 96 écus, comment t'as fait? Tu les as placés en bourse, c'est pas possible. T'as ouvert un PEL? Payé taxes. Mais tu fais quoi? C'est le lutin qui te refait les fesses ou quoi? Allez hop. Ah oui, non, c'est clair, il a vendu son âme, il a vendu sa mère, quoi, c'est pas possible, quoi. Putain, merde! T'as trouvé de l'or quelque part! Le sac. Est-ce qu'on peut mettre le lutin dans le sac? Le problème, c'est que si je mets le lutin dans le sac, il pourra pas m'aider à traverser le... Bah, le truc, là, l'espèce de machin... J'ai fait quelques passes. Ah, ben voilà! Avec le lutin. Alors. Lutin. Oh, bah j'y tiens quand même. Hein. Sac. Allez, dans le sac. Non, il veut pas. Non, mais je pense que... voler, lutin. Sac. Il grimpe sur votre épaule. Non, mais je pense qu'on peut pas le mettre dans le sac. Par contre, il va traverser, et donc on va tout perdre. Enfin, on va perdre notre pognon, en tout cas. Mais de toute façon, j'ai plus de sous. Alors, je vais sauvegarder. Save state. 3, on va marquer lutin, corde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lutin, corde, sac. Voilà. Lutin, corde, sac. Oh, le curseur, c'est dégueulasse. Je sais pas de quoi vous parlez, vous, là. Vous êtes en train de vous faire un mythique. Allez, traversez. Rivière. Et on va vérifier l'inventaire, après. Normalement, il me pique que mes bourses. N'empêche, c'est vrai que le puits, ça m'intrigue, moi, le puits. Inventaire. Ouin, ouin. Mettre corde dans l'utin. Oh, c'est dégueulasse. J'ai toujours la lettre, la corde, le sac.
Oh là. Oh là. Putain, ce jeu. Non mais ce jeu, quoi. Ce jeu de l'infini, quoi. Lutin corde-sac. Non mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi? On peut faire l'inventaire nulle part. Traverser rivière. Oh, il est déjà 11h30. Oh, je suis content. Eh, le lutin disparaît avec ma bourse. On voit rien. Non, on voit rien parce que ça a fait une espèce de truc bizarre sur le... Oh, j'ai pas le temps de rajouter des comptes fake, moi. Alors ici, vous êtes sur les terres de votre père. Ce village est dirigé par le château. Il y a un truc à faire ici. Regardez. Village. Rien d'intéressant ici. Rentrer. Maison. Il y a un truc. Si mon théma, si les mecs ont marqué mon théma, je pense qu'il y a un truc. Soyez plus précis. Visiter maison. Il y a forcément un truc. Visiter via fouille village. Fouille. Fouiller, hein, on va prendre des verbes. Village. Il y a forcément un truc ici. La falaise, c'est pas possible. Faites comme chez vous. J'ai l'impression que fouiller, ça va pas. Fouiller, il dit toujours faites comme chez vous. Fouiller, visiter. Je l'ai peut-être déjà fait, non. Visiter village. Entrer dans le village. Quel charabia. Il comprend pas visiter. Appeler. Putain, ils font chier. Entrer dans maison. Entre... Il comprend pas appeler. On va se faire une liste de mots interdits. C'est comme... Je pense que si je vais faire une quenelle, il va me dire quel charabia. Et puis il va appeler le CRIF et tout ça. Oh putain, entrer dans maison. Vous êtes dans la demeure d'un modeste paysan. Avec des dents comme ça, il ressemble à Perceval. C'est pas faux. Oh putain, on sauvegarde. Save. J'ai plein de pognon, j'ai une corde, j'ai manqué une bourse, c'est pas grave. Lutin, non j'ai plus de lutin. On va marquer paysan. Paysan. Vous êtes dans la demeure d'un modeste paysan. Alors je remercie GX. Bien joué GX. C'est bien GX, c'est bien. Des fois tu fais des efforts. Quand t'es pas chiant, t'arrives quand même à quelque chose. Franchement. Respect. Alors, on est 11, on est 11. Tu vois, et personne ne le voit ça. Ça, fallait le dire quand on était 21. Et tu vas me dire, ça fait une heure que je te le dis, tu l'as pas vu. Paysan breton, le beurre, paysan breton. On reconnaît les gens qui font les courses. C'est un Perceval moisi. Ils ont tous des problèmes de dentition quand même, je trouve. Déjà, lutin a des dents vertes, lui a des dents devant. Prends Chico. Chico, elle est gypsy. Vous êtes dans la demeure d'un modeste paysan, je vais donc lui parler. Putain, honnêtement. Le plan d'avant, la maison, t'avais l'impression qu'elle était à 15 km, que tu pouvais même pas y aller. C'est... Moi, je l'aurais fait plus proche, la baraque, je sais pas. Prendre sauvagement la fille du paysan. Beurrer anus du paysan. Vous êtes vraiment dégueulasse. Mais je le ferai. Parlez. Parle.
Messire Tristan, que Dieu vous bénisse. Voilà des semaines que personne n'a vu votre père. La nuit, on l'entend hurler depuis le château. Ah hein. Beurre moi l'anus. Bon. Bah écoute, d'accord. Acheter. Est-ce que tu aurais pas une vache ou une fille à me vendre? Fille de joie. Bah je sais pas, ce que tu as. Ta cheminée, ton jambon, tu as un jambon là-bas. Examiner. Maison. Bah si, je voyais un jambon là-bas. Prendre. Alors, marque quoi? Prendre viande. Viande. Ouais, jambon, ouais. Touche pas l'ami. Bah, prendre, je sais pas. J'ai marqué quoi? Viande, donc jambon. Non, parce que moi, je vais être prendre bûche. Cheminée. Voir. Cheminée. Oh merde, j'ai oublié un E. Rien d'intéressant ici. Donner lettre. Ah oui, peut-être qu'il a du boulot pour moi. Mais non, parce qu'il m'a reconnu. Acheter jambon. Ça lui servira à quoi? Il m'a reconnu. Acheter. Donc il sait que c'est un grouillot, quoi. Acheter jambon. Mais j'ai pas de sous, j'ai plus de bourse. Acheter quoi? Non, il veut pas. Oh, c'est dégueulasse. Demande l'hospitalité. Parlez. Mais parlez paysan. Mais j'ai déjà parlé. Il me dit la même chose. Ah, il faut reparler une fois. Un magicien demeure dans la forêt. Il pourrait vous aider. En fait, il faut le faire deux fois. C'est vicieux. C'est vicieux. Magicien? Et je peux faire magicien? Parler magicien, peut-être. Parler magicien. D'accord. Demande dans la forêt pour ouvrir porte du fond. Porte, ça suffit. Du fond, il comprendra pas. Non, parlez trois fois. Eh, t'as vu tes dents, toi? Non, mais oh! T'as vu comment il me parle, lui? Avec quoi vos dents, peut-être? J'en sais rien. Je sais pas si c'est cette forêt-là. Hein. Je pense que c'est la forêt dans le... Dans la... Là, à côté, là. Pas de nord ici, pas d'accord. À l'ouest, rien de nouveau. Ah, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je retourne. Faut que je repasse la rivière. Il va falloir que je rappelle l'autre qui va me voler une deuxième bourse et ça va replanter. Si j'ai besoin de retourner une troisième fois. C'est quand même... C'est tordu, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tordu, hein. Mais j'ai pas d'épée. Et si je refais parler? Je sais plus qui a demandé ça, je vais le faire. Défonce paysan. Sans grand intérêt. Il y a des forêts partout, ouais, mais je sais pas. Mordre avec les dents. Bien sûr. Bon, je sors de la maison, sortir maison. Oui, partons.
Voir cascade. Rien d'intéressant par ici. Oui, mais la forêt. La forêt là ou la forêt observée? La forêt observée, ça peut être le lutin. Hein. Moi, je sais pas s'il faut vraiment revenir dans le truc. Hein. Alors, appeler. Magicien. Aller. Forêt. Ah oui, oui, sauvegardons, sauvegardons. Utiliser les points cardinaux. Sauvons. Enregistrons. C'est parti. Alors, aller. Forêt. Nord. Trouver magicien. Ah, peut-être, oui. Utiliser les points cardinaux. Trouver. Magicien. Ah oui, c'est tordu ça. Je suis au pied de la falaise, mais il y a quand même une forêt. Soyez plus précis. Trouver. Magicien. Putain. Forêt. Nord. Pas de nord ici. Ah oui, forcément. Couper du bois. Mais avec quoi? Couper du bois avec mes dents. Bah, à mon avis, il est codé déjà, il est codé avec... Oh! Phoenix, t'as regardé? S'en vont. Faut que je regarde l'inventaire. T'as regardé la soluce. Ah ouais, du bois. Ah, il a redémarré. C'est de mieux en mieux. Oh là là. Oh là là, le truc codé avec le cul, quoi. Oh là là. Mais t'as regardé la soluce, Phoenix, à vous. Allumez le feu. Allumez le feu. Et voir grandir la flamme dans vos yeux. T'es déjà si allumé. C'est pas mal, ça. Allumez le feu. Putain, bah, impeccable, les coupons du bois. C'est sadique, putain, c'est sadique. Impressionnant. Ouais, c'est ça, je sauve avant l'inventaire, parce que sinon, c'est l'horreur, quoi. Putain, c'est... Putain, couper du bois, mais merde, mais c'est quoi ces trucs? Bon, c'est bien, on a avancé, on a pu rentrer dans la maison, on sait qu'il faut trouver un magicien, on a trouvé du bois dans cette putain de forêt, mais on est au pied d'une falaise! Au pied ou au bord, j'en sais rien! Oh là 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 là, le jeu codé avec le cul, bon Dieu! T'es déjà assez allumé. Alors, il faut faire quoi? Allumer le magicien? En plus, allumer... Putain, non, on va pas allumer un feu! Utile pour allumer un feu. Moi, ce qui m'emmerde, c'est de retourner au... Bon, allez, on retourne. Et après, de me retaper l'espèce de bug à la con, là. Je sais pas s'il est encore en ville, développeur. Cocaïne, machin, là, je sais pas. Et je vais lui donner du bois au vieux. Donner bois. Ah, mais attends, je peux peut-être lui donner quelque chose, lui, un sac, ou il veut peut-être faire un troc avec son jambon.
Mais non. Échanger. Sac. Soyez plus précis, il va me dire. Oh putain, échanger, comprend pas. Troquer, troquer. Il connaît pas troquer. Il connaît pas troquer, il connaît pas échanger. Donner. J'ai déjà fait donner bois. Non, il aime pas le bois, je crois. Donner sac. T'as un beau petit sac. Mais j'en sais rien. Il a qu'à me donner son truc. Donner la corde. Non. C'est pas vrai. Le jeu de malade en fait. On est en train de jouer à un truc de psychopathe quoi. Le cannibale de Rouen, Nicolas Cocaigne. Non mais c'est impressionnant, c'est hallucinant ce que vous annoncez là. Putain. Oh, en fait, il y a une espèce, à mon avis, il y a un... Il y a un programme qui se lance, il y a un exe qui se lance, qui a pris mon IP, ça l'a envoyé à la prison de Rouen, et en fait, il va me retrouver. Je suis le seul à y jouer en fait en France depuis 91, je crois, le jeu. Putain. En plus, il y a la musique de l'angoisse. Oh, oh, la vache. Oh non, putain. Bon, en fait, c'est lui, là. Le paysan, il s'est fait un autoportrait. Il a fait sa gueule et tout. Oh, oh là, j'ai des frissons. Je vais brûler tous mes papiers. Oh la vache, le truc de malade. Eh, c'est bien vendredi 13, hein. On a vraiment trouvé le jeu ultime, quoi. Le mec, ça, Nicolas Cocaigne, enfermé à la prison d'arrêt de Rouen. Pour avoir bouffé un morceau de poumon d'un codétenu. Oh, le truc de dingue. Excellent. Il manque plus qu'un petit épisode de Gus DX par-dessus. Et on a un vendredi 13 parfait. Bon, qui a gagné au loto, les mecs? On partage, hein. Alors, bon, moi, je me casse. Donnez corde. Oui, pends-toi. Ça servira à quoi? Bah, à se pendre. Sortir, mais... Oh, la vache, l'horreur. Putain, avec la musique de l'angoisse, quoi. Wouah. J'ai l'impression qu'il fait nuit en plus. La nuit tombe. En fait, le temps est géré et tout. Arrête. Wouah. Mais il sort quand? Il a été enfermé quand? Renseignez-vous un petit peu. Alors, la forêt. La forêt. La, 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 la. Vous vous sentez observé. Soyez plus précis. Ah bah soyez plus précis. Il sort demain. Criez. Réfléchissez un peu avant d'agir. Fouiller. Arbre. En fait, c'est panoramique s'il doit être dans les arbres. Ah ouais, je me suis observé par le... Faites comme chez vous. Ouais, faites comme chez vous, ouais. Putain. T'imagines derrière... Il y a que vous qui pouvez le voir, hein. Il va arriver.
Il va me dire, c'est bien, tu joues à mon jeu, c'est bien. Je vais te bouffer les poumons. Saluer. Ah! C'est pas con, ça. Non, bah, hey, Félix, tu regardes la soluce, c'est pas possible. Ça va, comment tu t'appelles? JB le daron. Ah merde, comment je m'appelle? C'est quoi mon nom? Merde. C'est un code. C'est un code. Il me demande mon nom. J'ai pas marqué JB le daron, je vais passer pour un con. Putain, les musiques de l'angoisse en plus. Comment je m'appelle? Merde, j'ai pas vérifié. Il me donne le nom au début. Je suis machin de truc. C'est mon fils qui a trouvé. Oh la vache! Eh ben bravo, fiston à Phoenix. Hein. Vache, bien. Hein. Perspicace, les jeunes, perspicace. Les vieux, c'est plus possible. Il est minuit moins 5, et on va bientôt arrêter. Hein. Montrez lutin. Non, 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 il me faut le nom. Non, je vais pas dire que je m'appelle Cocaine. Sarah Connor. Non, non, faut pas que je... il va me dire après, putain, oui, t'es à la maison de Rouen. Non, 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 maison d'arrêt de Rouen. Non, non, le nom du bonhomme, je sais plus comment il s'appelle. François? Ah mais c'est François, ton gamin. J'avais marqué François moi sur le truc. Comment tu t'appelles? Tu aimes les bonbons au miel? Il faut le nom. Ah. Bah bien joué. Il me faut le nom de ce bonhomme. Il le dit au début. Relancez le jeu et dites-moi le nom. Parce que moi, si je le fais, tout plante. Et le paysan, il me le dit aussi. Ah, en effet, il a bu trop... Elle est où ma bière, au fait? Ah, elle est là. Régis, son nom. Non, c'est pas Régis. Régis, c'est un con. Désolé pour les Régis. Putain, merde, bah oui, mais je sais plus comment tu t'appelles. Je vais donner un nom, il va planter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tristan. C'est ça. Alors, Tristan, on est perdu. Non. Tristan Douille. Son nom, c'est Leblanc. Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Eh ben lui, c'est pareil. C'est... Ah, comment c'est? C'est juste son prénom. On a assez perdu de temps comme ça. Alors, quel charabia. Bon, alors, on fait saluer. On recommence, hein. J'ai dû me planter, en fait. Alors, Tristan, on est perdu. Oui. Mais merde! Saluer, il y a un truc que j'ai pas fait. Alors Tristan, on est perdu. Oh, putain, qu'est-ce qu'il faut mettre encore? Là, il y a encore un piège, là. Alors Tristan, on est perdu. Appeler magicien. Oh, puis après, on arrête. Hein. Soyez plus précis.
Salut les magiciens. Alors Tristan, on est perdu. Ça se trouve, c'était pas Tristan qu'il fallait marquer. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste le blanc. Le blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Oui, eh bien lui, c'est pareil, c'est juste. On a assez de perdu temps comme ça. Voilà, c'est ça, exactement ça. Ah d'accord. Demandez chemin. Oui, l'heure du crime. Ouais, ok, on va arrêter. Sans grand intérêt. Mais il faut trouver. Mais là, je pense que. Alors, on est perdu. Demander. Aide. Oh, aide, sans eux. Sans grand intérêt. On va recommencer. Demander. Aide. Ou demander secours, demander chemin. Non, chemin, il veut pas. Sans grand intérêt. Non, 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 j'ai la safe state. Donc, on recommence là. Bon, allez, mini, hop. Ah, puis c'est la fin de la chanson. Ta-da-da. Hop. Allez, save. Il est minuit, c'est bon. Je vais quand même l'appeler Maléfice 4, parce que bon... paysan cocu, non, on va l'appeler magicien forêt. Voilà, on va l'appeler comme ça parce que je sais pas. Voilà.